Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Dans cette vidéo, je vais te dire comment ton argent est en danger. Oui, la peur de perdre ton argent. Vous allez comprendre si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo. Et c'est une vidéo que vous devez partager au maximum. C'est important. Alors, on commence la vidéo. Comme vous le savez, nous allons parler du Litecoin, du Bitcoin, des mémécoins, et du PP, PPBR, PP Sol, PP, je sais pas, qu'on va parler de tout cela. Et nous allons parler une fois de plus d'une banque en Afrique. Et je vais vous montrer une vidéo d'un responsable d'entreprise qui dit clairement que si lui retire son argent dans cette banque-là, la banque va tomber en faillite. Et sûrement, toi qui me regardes, tu as ton compte dans ce système bancaire. Tu vas comprendre si tu es jusqu'à la fin de la vidéo. Alors, et c'est une vidéo, franchement, que je demande à toute personne ici de partager la vidéo là au maximum, s'il vous plaît. Ne soyez pas avare. Sinon, les gens risquent de perdre leur argent. Oui. Que ce soit dans les banques, que ce soit dans les mêmes coins, nous allons vous expliquer tout cela dans cette vidéo. Alors, nous sommes en train de voir le Bitcoin à 27 600 $. On se dit c'est la fin ou c'est le début. Peut-être c'est la fin, peut-être c'est le début. Pour certaines personnes, c'est le moment de saisir l'opportunité. L'opportunité se présente à certaines personnes de la saisir. Ceux qui savent saisir l'opportunité, saisissent ces genres d'opportunités-là pour s'enrichir. Ou d'autres saisissent aussi. Parce que l'opportunité est en quel sens? L'opportunité dans les deux sens. Le sens de s'enrichir et le sens de s'appauvrir. Tous ces deux, c'est l'opportunité. Toi qui me regardes, toi mon frère, toi ma soeur, si tu me regardes, quel type d'opportunité tu saisis en ce moment? Oui, quel type d'opportunité tu saisis en ce moment? Avant de commencer la vidéo, je vais vous parler de quelque chose. Les gars, vous êtes sans savoir que Cliquez pour gagner est en train d'organiser un grand événement en Afrique. Oui, donc moi je serai présent avec le reste de mon équipe et d'autres invités qui seront présents de partout dans le monde entier. Il y a les Béninois, il y a les Ivoiriens, il y a le Burkinabé, il y a les Brésiliens et bien d'autres personnes surprises qui pourront apparaître comme panélistes dans cet événement. Et cet événement coûte ce sont 5 000 francs. Mais déjà, on a déjà bloqué la préinscription. Si tu n'as pas fait la préinscription, alors mon frère, ma soeur, c'est parti pour l'année prochaine. Moi et mon équipe, nous serons au Bénin. Et cet événement-là, on dit qu'il y aura un dîner gala accompagné d'une attestation offerte. Donc les gars, c'est un événement où nous allons plus parler de quoi? De la sécurité des investissements en crypto-monnaie. Les gars, si tu as déjà fait ta préinscription, on a parlé de ça longtemps, hein, tu as déjà fait ta préinscription, alors mon frère, ma soeur, va payer vite tes 65 000 francs pour réserver ta place. Pour ceux qui veulent réserver leur place et n'ont plus de place en ce moment, qu'est-ce que vous devez faire? Vous allez voir quelqu'un qui a déjà fait sa préinscription et qui va désister, qui ne serait pas là. C'est lui qui viendra au niveau de l'équipe de Clic Magnum pour réserver la place pour vous. Et vous serez présent avec le ticket. Et aussi, je vais vous parler de quelque chose rapidement ici. Afin que vous puissiez voir, les gars, rapidement. Oui. Et peut-être tu ne sais pas, je vais t'informer rapidement. Peut-être tu ne sais pas. Les gars, ici, on dit ce matin, on dit ceci. La patience est un chemin d'or. Hein? La patience hein, en crypto-monnaie hein, est un chemin difficile, mais elle est remplie d'or. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses, toi qui me regardes? Est-ce que tu es patient en crypto-monnaie? Est-ce que ta patience a des limites? Bon, à chacun de décider. La patience a toujours des limites. Et souvent, le fait de perdre patience ou le fait d'être trop patient te fait gagner ou te fait perdre de l'argent. Après, à chacun de voir. Je profite aussi de l'occasion rapidement pour vous dire, le lien sera en description de la vidéo. Mexe Global, en partenariat avec Cliquez pour gagner, vous offre une compétition spéciale de trading uniquement aux membres de Cliquez pour gagner. Dans 21 jours, moi, je fais des vidéos. Cette compétition va finir. Si tu n'as pas encore créé ton compte et tu auras la chance de gagner 60. Oui, 60 et MX. Tu auras la chance de gagner 35. MX, c'est la monnaie de Mexe Global. C'est une monnaie qui vaut au-delà de 200 $. Donc, ça fait déjà plus de 120 $, 100 $, 80 $ et jusqu'à la 11e place. Et il faut juste faire le trading futur. On explique ça dans ce lien que je laisserai dans la vidéo si vous êtes intéressé. Créez votre compte avec nous. Restez dans notre communauté pour profiter de ces genres d'avantages que nous signons avec les échangeurs de temps à autre. Alors, on va commencer rapidement la vidéo ici. Les gars, nous tous nous connaissons l'échangeur Passful hein, qui revient, qui avait suspendu ses activités. Vous savez, il y avait un temps où il y avait la faillite qui sonnait à la porte de plusieurs personnes. Et l'échangeur en P2P, hein, Passful, a suspendu
ses activités et aujourd'hui elle nous dit qu'elle reprend. Au même moment, nous sommes en train de voir certains échangeurs qui sont en train de voilà, d'arrêter carrément leur activité. Mais qu'est-ce qu'on a tiré comme leçon dans cette affaire? Ce qu'on a tiré comme leçon dans cette affaire, c'est que nous sommes en train de pleurer, nous sommes en train de voir que voilà, le marché des crypto-monnaies est en train de chuter, nos capitales, nos investissements sont en train de partir à la dérive. Au même moment, on nous donne des signaux que non, nous aussi on est venu pour manger notre part du gâteau. Parce que ceux qui sont des abonnés, qui ne ratent aucune vidéo sur ces chaînes, vous êtes sans savoir que il y a nos aînés, dont les responsables de Passful, sûrement c'est nos aînés, ils savent pourquoi ils sont en train de revenir maintenant. Parce que quelque chose se prépare maintenant. Nous sommes en train de voir l'effet de transaction du Bitcoin flambé, l'effet de transaction de l'Ethereum flambé, qui sont les deux crypto-monnaies qui ont vraiment une forte capitalisation qui soutient ce marché de l'écosystème de la crypto-monnaie. Et quand ça flambe comme ça au niveau des frais de transaction, ça fait quoi? Ça veut dire simplement qu'il y a plusieurs personnes qui sont en train d'utiliser la technologie derrière. Et quand plusieurs personnes sont en train d'utiliser cette technologie derrière, ça veut dire simplement que l'adoption est en train d'arriver à nos portes. Toi, qu'est-ce que tu en penses concrètement? Alors, je continue la vidéo. Nous allons parler maintenant du Litecoin, les gars. Vous savez, aujourd'hui, le Litecoin semble être un projet mort, Oui, mais malgré sa mort, hein, comme certaines personnes le prétendent, le Litecoin reste toujours dans l'impasse hein, de faire un halving. Et nous avons déjà expliqué ce qu'on appelle le halving. Et quand nous regardons rapidement, le Litecoin, c'était à la 13e position, voilà, 14e position. Quand nous voyons le Litecoin est à 96, 99 $. Bon, avec la chute du marché de façon générale, où les baleines sont en train de manipuler, nous faire croire que c'est fini, oh, peut-être ils veulent te liquider en position afin de continuer la montée, ou vont te croire que tu vas monter. Donc, les gars, beaucoup de prudence pour ceux qui font le trade du futur. Et là, je reviens encore. Les gars, ce n'est pas facile, franchement. Il faut que je vous dise quelque chose. Non, je ne me sens pas bien, mais je suis toujours là avec vous. Ce n'est pas facile. Donc, si tu es arrivé jusqu'ici, là, donne un j'aime à la vidéo. Donne un j'aime à la vidéo. Parce que franchement, c'est un engagement que j'ai pris avec ma communauté et mon équipe et nous essayons de respecter cet engagement-là. Alors, pour nous aider à avancer, si tu n'es pas encore un abonné, abonne-toi rapidement. Si tu n'as pas encore activé la cloche de notification, active la cloche de notification. Si tu n'as pas encore donné un j'aime, donne un j'aime. Et laissez les commentaires constructifs parce que franchement, aujourd'hui, je n'ai pas pensé que j'allais me lever du lit. Hein. Franchement, hein, trop. Parce que voilà, ceux qui ne savent pas, je me forme. Je suis aussi un élève dans plusieurs cours. Que ce soit dans le domaine de la crypto-monnaie, dans le domaine du marketing, dans le domaine du développement personnel, je suis en train de me former. Donc, c'est beaucoup de choses au même moment. Au même moment, on a des engagements envers vous. Donc, ce n'est pas facile. Donc, ceux qui pensent que Aïcide et son équipe, on s'est arrêté de nous former. Non, non, on continue de se former, chacun dans un domaine bien spécifique pour développer nos connaissances. Toi, quand je parle de formation, tu trouves ça chiant, tu trouves ça lassant, ça te fait rire. C'est très important. Moi, mes formations, là, les formations que je prends, ce n'est pas des formations où j'ai dit 100 $, 200 $. Non. C'est des formations au-delà, 300 $, 400 $, 500 $. Parce que je sais ce que je cherche dans la formation. Je veux acquérir la connaissance. C'est pourquoi, toi qui me regardes, si tu n'as pas encore rempli le formulaire pour faire le cours de cliquer pour gagner, un cours qui t'aide à comprendre, à savoir les stratégies nécessaires, à analyser les projets. On fait des analyses dans le groupe. On donne des conseils. Et pas de conseils d'investissement, mais après, chacun tire son épingle du jeu et bien d'autres choses. Viens nous rejoindre, tu vas voir. Prends le risque de vendre tes crypto-monnaies à 80 $, tu viens nous rejoindre, tu vas voir comment ce groupe-là est vraiment génial. Je n'ai pas vu deux en crypto-monnaie. Ce groupe-là, là. Oh, tu t'amuses là, tu viens, tu vois. Tu t'amuses deux jours, tu viens, tu vois 600 messages. Et des messages importants. On rigole, on apprend des uns des autres. C'est très important. Alors, je reviens sur le sujet. Donc, si tu es intéressé, le lien. Parce qu'en crypto-monnaie, il ne faut jamais se lancer sans se former. Le lien se trouve juste en dessous de la vidéo. Tu vois ce lien-là, tu appuies le lien du coup et tu remplis ce formulaire-là. Et tu vas avoir une réponse de la part de notre équipe. Regardez, il y a déjà plus de 1000 personnes qui ont rempli. Mais toi, 1193, mais toi, tu attends quoi? Tu attends quoi pour nous rejoindre? Alors, je reviens encore sur le sujet de Litecoin. Les gars, nous sommes en train de voir le Litecoin qui est en train de nous dire que non, je me prépare pour faire un halving, je me prépare pour et diminuer la récompense des validateurs, des mineurs. Ce que le Bitcoin fera en 2024. Et tout le monde attend impatiemment cet événement parce que cet événement va peut-être faire pousser le prix des crypto-monnaies. Nous, moi personnellement, avec dans le groupe VIP, on a fait des analyses vis-à-vis de ça. Ça peut être bien avant ou bien après. De toute façon, la musique a changé, alors la danse doit changer. On doit aller sur la fréquence. Alors donc,
Gardez les yeux grands ouverts. Tout peut arriver à tout moment pour tous ceux qui se retrouvent dans cette question de la crypto-monnaie. Alors, je continue la vidéo en vous disant une chose. Si tu n'as pas encore créé ton compte sur Mexe Global là, le lien se trouve en le deuxième dans la description de la vidéo. C'est le lien. Tu vas voir. Il faut faire juste le trading futur et tu auras la chance de gagner tout cela. Et vous voyez, Mexe Global a mis à la disposition de l'équipe cliquée pour gagner une somme de 200 MEX X. Voilà, MX. Donc, si je fais ça, si je fais plus fois 2, ça fait combien? Ça fait plus de $400. Mon frère, viens prendre ta part du gâteau là-bas en appuyant sur le lien pour créer ton compte et faire le trading futur sur Mercé Global où ça t'aidera beaucoup. Les gars, maintenant, venons-en maintenant. On va parler d'abord de la façon, de la première. Bon, de ce qui va te faire perdre de l'argent en premier lieu. Regardez cette vidéo. Regardez cette vidéo très bien, les gars. Regardez bien cette vidéo, hein, s'il vous plaît. Ce n'est pas moi qui parle, c'est le PDG d'une entreprise en Guinée qui parle. Écoutez. Et réclamer à EcoBank 100 et quelques milliards de francs guinéens aujourd'hui, puisque je ne parle plus du dollar. J'ai en train de réclamer aujourd'hui à EcoBank 100 et quelques milliards. Ça, c'est mon argent qui a été versé à EcoBank. On dit si l'argent est tiré, l'EcoBank a retourné cet argent-là, la banque va aller en faillite. Moi, si la banque va en faillite, ce n'est pas mon problème. Moi, mon problème aujourd'hui, c'est pour réclamer mon argent. Monsieur le journaliste, voilà, 300. Voilà. C'est le PDG d'une entreprise en Guinée qui parle. Qu'il est parti retirer son argent à la banque. EcoBank, la plupart des personnes connaissent. Ils ont aussi une filiale en Guinée. Il est parti retirer son argent. On le dit qu'il ne peut pas retirer. Mais ça veut dire quoi? Ce n'est pas son argent. C'est lui qui a déposé cet argent-là. Les gars, ceux qui sont dans la boue VIP, vous avez déjà la vidéo là-bas. Et si vous êtes dans le VIP, vous voulez la vidéo, inboxez celui qui a envoyé ou inboxez moi, on vous enverra la vidéo là. Voilà, je dis les membres VIP. Donc si tu n'es pas dans le groupe VIP, ça ne sert à rien. Alors donc, en ce sens là, quand nous regardons clairement, on voit que ce PDG est en train de réclamer de quelque chose. Il est en train de réclamer parce que EcoBank ne veut pas leur donner son argent. Mais toi qui penses que ton argent dans une banque est en sécurité, tu as écouté, non, tu as vu. Ce n'est pas moi qui a dit. Tu as écouté, tu as vu. Mais si c'était en crypto-monnaie, il n'aurait pas à avoir ce problème. Non, il n'aurait pas ce problème. Parce qu'il a son wallet décentralisé et il est tranquille dans son coin. Il fait ses transactions tranquillement. Mais dans les banques, tu peux déposer, mais tu ne peux pas retirer parce que la limite est là. Sinon, tu vas faire effondrer la banque. Vous avez compris combien de fois c'est délicat. Vous avez compris combien de fois c'est délicat et important. Alors, je continue la vidéo maintenant. Maintenant, parlons des mémécoins. Les gars, les mémécoins ne cessent de surgir. Il y a eu Pépé. D'accord? Maintenant, il y a PPBR. PPBR est sorti. Et c'est parti, ça fait PPBR. Pour ceux qui ne savent pas, PPBR a fait plus de 300%. Oui, PPBR a fait plus de 300%. Et aujourd'hui, c'est la course au mémécoin. Mais regardez très bien. Il y a certains qui vont gagner de l'argent, d'autres vont perdre. Ça, c'est comme cela. Regardez très bien. On dit, le PPBR n'a même pas pour le moins site. Mais ils ont un compte Twitter. Ou bien, je suppose qu'ils ont un compte Twitter. Et ils ont un smart contract sur le BRC. Alors, il y a aussi, ça c'est sur le BRC. Il y a aussi, Meme BRC20. Ça aussi c'est sur la blockchain BRC20. Au moins ils ont un site. Et tous ces crypto-monnaies là, tous ces mémés qu'on a secrets de tout azimut. On a, quand nous allons même sur CoinMarketCap là, non, à tapons Pépé, vous allez voir. Tapons Pépé. Pépé, Pépé Cash, Pépé Coin, Pépé AI qui a fait 50%. Et les gens sont en train de manger dedans. Au même moment, certains se préparent pour perdre dedans. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui c'est le FOMO des Pépés. Est-ce que toi qui me regardes, regardez déjà la descente même, la descente. Bon, toi qui me regardes, tu as une stratégie d'entrée de sortie? Ou bien tu me regardes parce que bon, tu as couru pour acheter. Au moins, ceux qui se retrouvent dans le groupe VIP, on vous donne le support. On vous informe du risque. On vous informe des avantages. Et là, vous prenez vos décisions. Bien sûr, pour ceux qui ont en plus ce formulaire, et payer les $80. Si toi, tu n'as pas fait cela, le lien se trouve toujours en dessous de la vidéo. Alors aujourd'hui, on a plusieurs PP. Plusieurs PP qui vont te faire gagner de l'argent et qui vont aussi te faire perdre de l'argent.
Il y a Pépé, Pépé, je ne sais quoi, Pépé, regardez, Pépé, Pépé, oh, Joe, non, et la plupart les tokens BRC20, regarde, moi, j'ai déjà donné mon point de vue, Pépé Pal, Pépé Coca, Cola, Pépé Coca, Pépé Cola, nous sommes Elon Pépé Robot, Joe, on aura tout vu. Donc, ça se crée chaque jour. Et les gens vont jeter l'argent dans l'intention. Ils vont gagner de l'argent. Peut-être que oui. Mais les gars, en crypto-monnaie, vous devez apprendre une chose. C'est ce que je vais vous dire avant de finir. Vous devez apprendre à être organisé. Organisé. Les membres VIP, on essaie de vous répéter cela. Et on vous a montré les stratégies à faire. Et c'est pourquoi certaines personnes rentrent et ils mangent et ils sortent vivants. Oui. Toi qui me regardes, est-ce que tu arrives à rentrer sorti vivant? Parce que c'est le FOMO maintenant de Pépé. Tout va se créer sur Pépé. Bientôt, il aura Aristide Pépé. Oui, sérieux. Et les gens vont dire, non, mais on va où avec? On va là où on devait aller, oui. Là où on devait aller, c'est là où on est en train de partir. Donc, les gars, profitez du moment si vous êtes dans un projet crypto et apprenez aussi à tirer votre épingle du jeu. Sinon, cette épingle-là va vous piquer. Et quand le marché des crypto-monnaies, l'épingle vous pique, ça fait très mal. Je pense que vous avez aimé la vidéo. Je pense que tu vas partager cette vidéo-là. Peut-être que cette vidéo va aider quelqu'un. Ah, dis non, arrête, je vais arrêter d'investir partout. Je vais me concentrer sur 1, 2, 3. Ou bien, non, si j'ai l'argent dans mon compte bancaire, je vais commencer par être un peu prudent. Ou bien, si quelqu'un cherche une formation, une bonne formation en crypto-monnaie, on profite de l'occasion pour vous proposer notre formation. Restez connectés sur cette chaîne. On se dit à la prochaine vidéo. Et ciao!